Monsieur Bourassa, la raison pour laquelle, la principale raison pour laquelle il a fait des élections en 1976, c'est que les sondages démontraient que le Parti libéral était en chute libre en 1976. Son raisonnement, c'est qu'à l'automne 76, on pouvait peut-être encore sauver les meubles. Et il faut dire que le prétexte officiel de l'élection de 76, idéalement, sur papier, était très défendable. C'était la menace de rapatriement unilatéral de la Constitution. Et M. Bourassa voulait aller chercher un mandat clair sur cette question précise. Chers concitoyens, le Québec traverse actuellement une période particulièrement chargée de son histoire. Avec tous mes collègues, depuis près de 7 ans, nous avons travaillé pour accroître la prospérité économique, la justice sociale et la sécurité culturelle des Québécois. Nous avons réussi, malgré les difficultés, à faire progresser le Québec. C'est pourquoi nous sommes heureux de constater la confiance que les Québécois nous ont toujours accordée. Ah ben voilà ça, nous avait expliqué pourquoi il faisait une élection, pour aller chercher un mandat fort. Là, on disait, mais regarde, on est 102. On peut-tu avoir un mandat plus fort que ça, là? 110? Il voulait avoir un mandat, il nous disait fort, mais en même temps, il voulait avoir un mandat qui se prolongeait plus longtemps pour avoir du souffle pour négocier avec le fédéral. Et pendant la discussion, on est 2 ou 3 ministres qui se sont opposés pendant la discussion à l'élection, qui disaient « Non, Robert, moi, je ne suis pas d'accord. » Moi, je l'avais dit ceci, je me souviens de ma phrase. « Robert, moi, je suis un revendeur. Si tu me convaincs qu'on a besoin d'une élection, je suis capable de convaincre du monde que c'est une bonne chose. Mais moi, je ne suis pas convaincu. » Des événements particulièrement importants pour l'avenir du Québec sont prévus très prochainement, puisque le Québec discutera avec ses partenaires de sa place au sein du Canada. Les prochaines négociations sont les plus importantes depuis longtemps pour l'avenir de nous tous. Le peuple québécois, grand par sa force et par sa richesse culturelle, mais seul en cette terre d'Amérique, doit être solidaire au moment important de son histoire. Il faut dire que ça lui appartient. Hein? C'est le privilège, c'est la prérogative du premier ministre de demander des élections au moment où il juge à propos. Évidemment, en échangeant dans un caucus, je pense que c'est beaucoup plus par diplomatie qu'il nous consultait. Sa décision était probablement prise déjà, et on en était en l'espace de 6 ans à 2 élections, 3 ans après 3 ans. Moi, je trouvais ça peut-être un peu rapide, mais j'ai toujours eu le respect, moi, de l'autorité. Ça fait partie peut-être aussi de mes valeurs. Et donc, j'étais entièrement derrière le chef dans cette chose-là, même si ça ne m'emballait pas tout à fait. Et ça se sent, ça. Quand on commence à avoir un peu de problème. J'allais dans des réunions sociales dans mon comté, par exemple. Les gens applaudissaient un peu moins fort. J'avais l'habitude d'écouter un peu. C'était pas aussi spontané qu'au début de mon mandat. Les gens étaient un petit peu... Il y avait de l'agressivité envers le gouvernement à l'époque et on n'avait pas complété notre mandat quand on l'a fait. On a déclenché l'élection pour le mois de novembre. Alors ça, évidemment, à l'intérieur du parti, à l'intérieur du caucus, il y avait des pour et des contre pour l'élection du mois de novembre. Et bon, là, on avait dit, l'entourage de M. Bourassa avait dit, on est prêt pour aller en élection. Moi, je pense qu'on ne l'était pas à l'époque. Et on part à la guerre. Hein? Quand le chef nous donne le signal, tout le monde est parti combattre chacun dans son comté. Afin d'associer tous les Québécois à cette décision historique que sera la réalisation d'un Canada nouveau, j'ai décrété la tenue d'élections générales le 15 novembre prochain. Quand on se reporte à l'époque, le gouvernement de M. Bourassa était carrément répudié. Hein? Vraiment, sa cote de popularité était au plus bas et on sentait vraiment que la population là, voulait s'en débarrasser, si vous me permettez l'expression. C'était très clair. «
Donc, ça avantageait le Parti québécois, puisque l'Union nationale était en déclin, poursuivait son déclin. Donc, c'est vraiment le Parti québécois qui était la force politique la plus présente et la plus importante à l'époque, là, face au Parti libéral dirigé par M. Bourassa. D'abord, le membership, le nombre de membres augmentait partout à travers le Québec. Également, sur le plan du financement, le financement était très satisfaisant. Également, ce qui était remarquable aussi, c'est qu'il y en a beaucoup de gens bien connus, que ce soit dans les régions, au niveau du Québec, qui se commettaient pour le Parti québécois. Et je pense que M. Bourassa, dans le déclenchement d'une élection hâtive, là, a vu que ça allait mieux pour nous, moins bien pour lui, mais pas suffisamment pour perdre le pouvoir. Parce que ça n'existe pas, là. Un premier ministre qui déclenche une élection pour perdre le pouvoir, ça n'existe pas. À travers ça, bien sûr, il faut le dire, il y avait aussi une crise linguistique au Québec avec les anglophones. Les francophones, très, très nationalistes, c'était certain qu'ils étaient avec le Parti québécois de René Lévesque. Les anglophones étaient devenus orphelins depuis un petit bout de temps à cause de la loi 22. On essayait dans notre plateforme d'aller chercher les anglophones. Alors, on avait une plateforme pour les anglophones, bien sûr. Entre nous, ça aurait été difficile de livrer cette marchandise-là rendue à Québec. Si on avait été élu avec ça, là, ça aurait été difficile, c'est sûr. Mais quand même, pour nous, c'est important qu'on en ramasse une partie pour se donner une forme de crédibilité dans le milieu francophone. Mais on savait que les votes anglophones, à la toute dernière minute, retourneraient au Parti libéral. Donc, on comptait un peu dessus, mais pas trop. Mais il fallait avoir une crédibilité aussi dans le milieu francophone pour dire, est-ce qu'on peut faire élire 20-25 députés? C'est ça notre objectif. Surtout dans les comtés traditionnellement unionistes, où il y avait un petit peu d'anglophones aussi, comme Gaspé, comme Mécotic-Compton, comme Brome-Missisquoi, comme Richmond, Johnson. Bon, c'était des comtés où il y avait un petit peu d'anglophones. Il fallait faire attention à cette clientèle-là. C'était peut-être 1000 votes ou 2000 votes, mais pour nous, c'était important. Réfléchissons. Lundi, ne risquons pas tout ce que nous avons gagné. Lundi, ne brisons pas le Canada. Votons libéral. Biron a commencé sa campagne et c'est sur la question linguistique que M. Bourassa s'est enfarvé, en particulier. Biron, lui, sur le plan linguistique, tenait un discours que nos compatriotes de langue anglaise voulaient entendre. Et là, M. Bourassa et Bienvenue ont commencé à patauger avec la réglementation qui découlait de la loi 22 pour essayer de faire plaisir à cet électorat anglophone. Ça n'a pas marché. Pendant la campagne électorale, on a senti ça, là, une espèce de flou. Puis ça se traduisait sur nos propres sondages internes. À partir d'aujourd'hui, demain nous appartient. À partir d'aujourd'hui, si vraiment on... Oui à l'équipe du Québec. Des gens d'action au service des Québécois autour d'un vrai chef. On a besoin d'un vrai gouvernement. Le Parti québécois. Le Parti des Québécois.
Alors, c'est une campagne qu'on a menée tambour battant, à fond de train. J'ai arpenté le comté à plusieurs reprises, d'un bord à l'autre. J'ai visité toutes les municipalités de ma circonscription. Enfin, une campagne là, vraiment menée à vive allure et à plein temps. Déjà, je sentais que la victoire était au bout là, de cette campagne. Ça se sentait, c'était tangible dans l'opinion publique. En cours de campagne, il y a un jour l'organisateur principal qui vous dit « Je pense qu'on est bon. » Les résultats des vérifications de porte à porte, de téléphone et tout ça, c'est bon. Mais on n'y croit pas. Jusqu'à la dernière minute, on se dit qu'on va perdre. C'est bien que quand on gagne, c'est un bienfait qui vient en plus du reste. Les gens du Parti québécois de Dorion ne m'étaient pas très favorables. J'étais parachutée. Et ça, dans ce parti-là, c'est assez mal vu. Donc, il a fallu que je me fasse accepter. Et je leur ai promis une chose. Je leur ai promis que je ne sortirais pas de Dorion tant que nous n'aurions pas la certitude que j'allais gagner. Si bien que je ne suis sortie de Dorion que les trois derniers jours avant l'élection, mais là, ils m'ont fait voyager. Alors René Lévesque m'a passé son avion et j'ai fait, je pense que c'est 14 comtés en 24 heures. Alors, vivre comme ça, c'est absolument fabuleux. Alors, j'avais un agenda qui était si rempli et si strict que je montais dans une voiture. Je ne savais pas avec qui, là. Je montais dans une voiture et là, je savais qu'à 13h42, il y a quelqu'un, on allait s'arrêter sur le bord d'un trottoir où il y avait quelqu'un qui nous attendait avec un sac à sandwich. On nous remettait notre lunch. C'était là d'une précision incroyable et fallait même pas se poser de questions. Fallait juste se laisser conduire. Je reçois un téléphone un soir de Léon Dion, le père de Stéphane. Il dit « J'ai une nouvelle à t'apprendre. » Oui, quoi. Il dit, ils vont présenter contre toi un gros candidat. Ils sont sûrs qu'il va gagner, ils ont fait des sondages. Je dis, c'est qui? Il me dit, Jean Marchand. Et Jean Marchand, ça m'a fait vraiment de la peine, parce que c'est quelqu'un que j'avais connu quand j'étais étudiant à l'Université Laval, que j'avais été voir parce que c'était un de mes héros de jeunesse, avec lequel j'avais toujours été en bon terme, et qui se présentait contre moi venant d'Ottawa. J'ai pas besoin de vous dire, j'ai mal dormi cette nuit-là, mais le lendemain matin, il s'est passé quelque chose. Le lendemain matin, je faisais des tournées, et à un moment donné, je m'en vais m'acheter du tabac pour ma pipe, à la tabagie habituelle, et là, il y avait des gens. Un dit, ah, M. Morin, il dit, c'est écœurant les libéraux qui ont mis contre vous. Et là, je découvre pendant la journée, pendant l'avant-midi, que les gens étaient fâchés de cette nomination-là, même des libéraux, en disant « ils veulent vous battre, vous devriez être élu pour le PQ, puis ils font exprès passer. » Et là, j'ai découvert, puis dans la journée, ça s'est confirmé, qu'il y avait une réaction contre Marchand et contre le parachutage par Bourassa de Marchand dans mon comté. L'organisation électorale dans Jonquière a toujours été très forte, le membership a toujours été excellent. De telle sorte que, oui, il y avait des travailleurs de l'Alcan qui étaient non seulement membres du parti, mais qui étaient des travailleurs dans leur coin de quartier, dans leur rue. Et puis, il y avait également des enseignants, il y avait des professionnels aussi, il y avait des médecins aussi. Mais essentiellement, l'Alcan et puis les professeurs du cégep, puis les professeurs, il y avait beaucoup de professeurs, mais les travailleurs de l'Alcan étaient très présents et très, très travaillants. Gérald Harvey, le 1er novembre 1976, faisait une ouverture officielle de sa campagne et il m'avait invité à prendre la parole chez lui. Évidemment, prendre la parole à Jonquière, le 1er novembre 1976, grève de l'Alcan, c'était pas fameux.
Mais mes organisateurs étaient contre que j'y aille là, parce que c'était dangereux, même physiquement, de se pointer le nez comme député libéral dans ce coin-là. Fait que je suis allé. Puis là, quand je suis arrivé là, il y avait du monde. Ils voulaient pas nous laisser rentrer dans la salle. Puis là, ben, moi, je leur parlais de démocratie, là. Comment je vais faire pour vous parler? Vous voulez pas m'entendre parler? Moi, je viens de Saint-Félicien, je veux vous parler. J'ai des affaires à vous dire, moi. Ah, fait que, ils m'ont laissé rentrer, mais en me criant tous les noms possibles. Et je les traitais de peureux. En tout cas, il n'y a rien que je n'ai pas fait, il n'y a rien que je n'ai pas dit. C'est un climat survolté, danger d'émeute. Hein. Puis les policiers, ils me regardaient, puis c'était pas correct ce que je faisais là, je provoquais. En fait, je provoquais, j'étais prêt à mourir sur place. Moi, je trouvais ça épouvantable. Je leur disais, vous êtes en grève, tandis que chez nous, dans le comté Robertval, on a la moitié de vos salaires, puis il faut travailler pareil. C'est pas raisonnable, vous devriez retourner travailler. Ben, ils m'aimaient pas du tout. Hein. Ah, fait que c'était ça. Et à un moment donné, il a fallu sortir un peu d'urgence par la porte d'en arrière, un escalier. J'étais content de l'avoir fait. À travers tout ça, j'ai toujours dit, quand on va en politique, il faut avoir la conviction et d'exprimer ce qu'on ressent. Moi, ce soir-là, là, c'était mes tripes qui parlaient. Là. Puis pauvre Gérald, qui était si dévoué pour son comté, là. En fait, que malheureusement, il a perdu ses élections à cause de cette grève-là. J'avais pas connu ça, cette expérience-là avant, mais juste à te présenter dans un bureau de votation. Puis là, tu vois le visage des gens qui te rencontrent, la solidité de la poignée de main qu'ils te donnent. Puis les yeux qui veulent pas rencontrer les tiens. On voit là, dès qu'on est là, on voit que ça va bien. Parce que pendant qu'il y avait deux yeux qui essayaient d'éviter les miens, il y avait 8-9 paires de mains, 8-9 mains qu'on me tendait. Le soir du 15 novembre 1976, vous n'avez pas d'idée le nombre de vibrations positives qui m'a affecté, pour lequel j'étais imprégné. C'était les amis, les téléphones, la chaleur conviviale. L'endroit où on était plein, plein, plein à craquer. D'avance, on était heureux. Quand les boîtes de scrutin ont fermé, là, parce qu'on était sûr, par exemple, d'avoir un nombre de députés important pour assurer l'opposition. Le dévoilement a commencé et ça se traduisait dans les faits. J'ai été le premier député déclaré élu du Parti québécois. Ça criait à tout rompre. Le PQ venait de débarquer dans les régions. Et quand vous regardez le détail de la victoire de 76, c'est pas sur l'île de Montréal qu'on a pris notre majorité, c'est dans les régions. À partir de 8-9 heures le soir, là, quand Radio-Canada a annoncé qu'on formerait un gouvernement mais majoritaire, on était, il n'y a pas d'autre mot, fourraide. C'était tout à fait inattendu. Radio-Canada à 8h40. Prévoit que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois et que ce gouvernement sera majoritaire. J'ai été heureux, puis jubilaire avec tout le monde, jusque vers 8h30 à peu près, là où, à un moment donné, il a été dit, là, ça, là, si la tendance se poursuit, là, c'est un gouvernement du Parti québécois qu'on va avoir. Là, je me suis dit tout simplement, là, c'est pas l'opposition là où on travaille fort contre versus un gouvernement. C'est nous maintenant qui avons la responsabilité. C'était un soir assez extraordinaire. Une atmosphère vraiment euphorique, d'allégresse absolument extraordinaire que j'ai plus jamais connue par la suite. Là. J'ai jamais revécu. C'est vraiment unique comme climat d'euphorie à l'époque. Puis en même temps aussi,
une certaine part d'illusion parce qu'on était un peu candidement convaincu que la prochaine étape allait venir rapidement et que la prochaine étape, ce serait l'accession du Québec à l'indépendance. En politique, c'est le plus beau jour de ma vie, ça. Parce que c'est ce soir-là que tous les espoirs étaient permis. Mais quand le décompte a été finalisé, on a regardé les chiffres, on avait 41% des voix. M. Biron a fait 19% des voix, si mon souvenir est bon, avec 11 députés. Après ça, il y avait des indépendants, il y a des votes nuls, puis on avait battu solidement le Parti libéral. Mais on avait 41%. Alors, notre défi, nous, c'était de dire l'élection est gagnée, mais nous autres, notre objectif, c'est pas de venir à Québec former un gouvernement. Nous autres, notre objectif, c'est de faire la souveraineté puis de bâtir un pays avec le Québec. C'est ça, notre objectif. Le lendemain du 15, donc le 16 au matin, il faisait beau. En tout cas, chez nous. Un soleil de plomb. Puis là, ben moi, j'avais... Ma fête était pas mal. On avait bu un petit peu plus que juste de l'eau. Fait que... j'avais besoin d'air avant de rentrer me coucher. Et là, vous dites, ben la suite. Ben la suite, faire partie, avoir la chance... en 1976, de faire partie de cette extraordinaire équipe d'hommes et de femmes dédiés, volontaires, convaincus, scolarisés à peu près comme jamais, c'est des belles joies, c'est des beaux moments. J'avais eu une défaite dans mon comté parce qu'il y avait quelqu'un de l'Union nationale. Alors, il y avait trois candidats et j'ai perdu par 2000 voix. Ce qui me consolait, c'est que j'avais certains collègues très connus, très... qui avaient fait leur marque aussi à leur ministère, qui avaient perdu par 14 000, 15 000. Alors, il faut se consoler, mais une défaite, c'est une défaite. Je me suis lavé aux élections. J'ai perdu par 8 000 voix, battu par le PQ. Un voisin qui habitait en face de chez moi, un anglophone, à Deux-Montagnes, il avait fait placer sur son terrain un grand panneau et c'était marqué « Mr. Lallier, we have another choice » que moi, sous-entendu, puis il y avait un gros U de l'Union nationale. Et l'Union nationale avait ramassé 8-10 000 voix, puis le candidat n'était jamais venu dans le comté. Donc, c'était un vote exprimé de rejet par rapport au Parti libéral que je représentais et par rapport à ma position que je représentais. Mais quand je suis parti le lendemain matin, après avoir appris ma défaite, tu sautais dans ma voiture, tu recules, tu conduis, tu t'en viens à Québec. Puis mon voisin d'en face était en train d'enlever son panneau. Le PQ venait d'être élu, là. J'ai reculé dans sa cour, j'ai été un peu méchant. J'ai pas pu résister à lui dire, monsieur, puis son nom, « How do you like your other choice? » C'est le PQ qui venait d'être élu. Il m'a dit, « I'm sorry. » Puis je suis parti. Si le PQ a pris le pouvoir en 1976, c'est grâce à l'Union nationale, parce que dans certains comtés, le vote combiné de l'Union nationale le vote de l'Union nationale et des libéraux aurait été supérieur au vote péquiste. Notre objectif, dans le fond, c'était 20-25 députés, 20 % du vote. On a eu 19 % du vote, on a eu 11 députés. On était satisfaits. Au moins, on pouvait faire une rentrée à l'Assemblée nationale avec un parti reconnu et passer notre message. En fait, ce qui a fait élire le PQ en 1976, c'est trois, quatre facteurs qui ont tous joué leur rôle. Je ne sais pas quelle est l'importance relative de chacun. Mais c'est, d'une part, on avait un bon programme de gouvernement, avec, par exemple, l'assurance auto, et puis la langue, puis le zonage agricole. Ça fait quatre ou cinq éléments qu'on avait choisis. Ensuite, il y avait que les libéraux ont perdu une partie de leur vote anglophone à l'Union nationale à cause de la promesse de l'Union nationale sur l'anglais. Ensuite, il y avait les scandales de Bourassa, réels, des fois exagérés, mais réels. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, le fait que maintenant, il y avait un référendum dans le programme du PQ. Alors, un des quatre éléments qui a fait gagner le programme, je le dis parce que j'en suis fier, c'était qu'il avait le référendum dans son programme. Et autrement, je pense qu'il n'aurait pas été vu. C'est-à-dire que s'il avait manqué un des quatre éléments que je viens de dire, je ne pense pas que le PQ aurait été élu. Donc, il l'a été parce qu'il y a eu une convergence de facteurs favorables. Cette victoire électorale... nous masquait un peu, en quelque sorte, occultait à ce moment-là
la réalité politique du Québec. Là, on avait été élu avec 40 % des voix. Alors donc, ça veut dire qu'il y avait 60 % de la population qui ne nous accordait pas leur appui. Mais on l'a un peu oublié là, dans l'euphorie du moment, on l'a un peu oublié. Et donc, à partir de ce moment-là, on était persuadé, moi j'étais persuadé que dans les années qui allaient suivre, on allait tenir un référendum, qu'on le gagnerait et que le Québec deviendrait un pays. Ben évidemment, cette illusion-là s'est dissipée par la suite. Le Parti québécois a mis de côté son option en proposant d'offrir aux Québécois un gouvernement, un bon gouvernement. Puis je pense, et ça, je suis sincère quand je le dis, le Parti québécois, mené par M. Lévesque, a constitué un excellent gouvernement en 1976. Ça a fait du bien. C'était rafraîchissant de voir qu'il y avait du changement. Et ça a été une bonne chose. Et peut-être que M. Bourassa flairait aussi de lancer la serviette et puis dire, bon, ben aussi bien les voir au pouvoir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et à quelque part, est-ce qu'il y avait une stratégie non avoué de sa part, je ne sais pas. Mais je peux croire, en tous les cas, que s'il est connu comme stratège, ça pouvait faire partie un peu de son petit côté ratoureur, en disant, ben, prenez le pouvoir, vous allez voir que l'exercer, ce n'est pas aussi facile qu'on le croit.